C'est un match crucial, bien sûr, pour nous, parce que si on gagne, on est qualifié. Et le premier match contre le Canada n'était pas top chez les Belges. On a des problèmes contre des équipes très vite. Mais demain, on espère de jouer beaucoup mieux parce que le Maroc n'est pas si vite que les Canadiens. Ils jouent plus technique et ça c'est un jeu qui est mieux pour les Belges parce qu'avec les joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Eden Hazard, comme Axel Witsel, on peut combiner et on croit qu'on peut gagner. Il y a certainement un peu de stress hein, parce que le Maroc doit gagner. Les Belges aussi pour se qualifier, alors ils vont pas prendre trop de risques. Si on marque vite, ça sera bon pour le match parce que ainsi les Belges ont moins de stress et les Marocains doivent venir pour marquer. Et ainsi on a plus d'espace derrière la défense et ça sera un match plus ouvert si on marque très vite. Bien sûr, Ziyech qui est très fort, qu'on connaisse bien, il a joué en Pays-Bas, proche de la Belgique. Il était à un certain moment un joueur que Anderlecht voulait. C'est un joueur qu'on suit, tout le monde suit en Belgique. Enfin, c'est lui qui peut faire la différence, bien sûr. La peur pour deux raisons. D'abord parce que le match contre le Canada était très mauvais de la Belgique. C'était sans doute la plus mauvaise prestation de l'équipe belge en phase finale de Coupe du Monde depuis très longtemps. Je pense au 21e siècle, il n'y avait pas eu un aussi mauvais match que celui-là. Incroyable, mais on l'a gagné, ce qui prouve quand même que la Belgique a beaucoup d'expérience. Mais ça n'a pas rassuré beaucoup parce qu'il y avait déjà beaucoup de doutes avant le tournoi. Donc ça fait peur. Et deuxième chose qui fait peur, c'est que le Maroc a une très bonne équipe. On le sait parce qu'on connaît quelques joueurs, évidemment, El Kandous, Amala, Zarouri. On sait que c'est déjà de très bons joueurs et on voit qu'ils ne sont... Amala est titulaire, mais les autres ne le sont pas. On sait évidemment, tout le monde, on aime le football, on connaît Hakimi, on connaît Ziyech, on connaît Mazraoui, on voit qu'ils ont un très bon gardien. Et c'est ça surtout qui impressionne, c'est que le Maroc, avant, ils ont toujours eu de très bons joueurs techniques. On se souvient en 1994, quand on joue à la Coupe du Monde aux États-Unis contre le Maroc, c'était une équipe qui avait beaucoup gardé le ballon, qui était très forte, mais défensivement, on savait qu'on avait pu leur faire mal. C'était le joueur le plus petit sur le terrain chez nous, qui avait marqué de la tête. Donc ça prouvait qu'on savait leur faire. Mais là, maintenant, c'est terminé. Le Maroc, c'est un bon gardien, c'est une très bonne défense, c'est des latéraux de classe mondiale. Un milieu de terrain très joueur, mais qui sait courir. Un grand attaquant, même s'il ne joue pas beaucoup à Séville pour l'instant. Une star, Ziyech. Boufal, sans doute un des plus beaux dribbleurs du foot mondial. Donc, c'est ça qui impressionne avec le Maroc et qu'on sait que ça va être un match très difficile. Ouais.